Il était une fois deux petits enfants qui cherchaient dans l'obscurité et l'étrange. Vas-y, vendredi, c'est ton tour de faire l'éclaireur. Si? Ok. Attends. Il est tendu, Hertzman. Ah, Drody, je peux rien pour toi. Non, c'est bon, ça va couper. En fait, Hertzman aspire les gens dans son univers télévisuel et il n'en reste plus que des fantômes, des hologrammes. Bref, quelques bribes d'élucubration. Et c'est foutu. Et je me retrouve alone again. Drudy, je regrette tout ce que je t'ai dit comme méchanceté. Je regrette quand je t'ai poussé. Je regrette quand je voulais te prendre ton jouet. Je regrette tout ça, quoi. Je vais aller casser cette télé pour te venger. Bon, ça a bien marché cette télé à casser, non? Ahem. Ok, qu'est-ce que je fous là? Aucune idée, comme d'habitude. Hein. Ah, on change pas une équipe qui ne gagne pas. Non, je voulais pas passer là. Toujours ce problème pour se positionner pile en face des trucs. C'est. Au début, ça énerve, puis là, ça en devient comique sur la durée. Donc du coup maintenant je peux me servir des télévisions pour passer d'un endroit à un autre. Ce qui va pas Et du coup je pourrais réapparaître là-haut, ça c'est pas mal, ouais. Parce que du coup je suis plus poignet. Ouais, ouais c'est bon, il y a un tas. Ok, bon la théorie va bien. La pratique, c'est autre chose, vous savez bien. Surtout, tu redescends pas à la téloche. J'ai ton nom, j'ai ta marque, une Schneider. Ouf. Ouais, comment ça se passe quand Little Nightmare s'amuse à Portal?
J'espère qu'ils vont pas pousser trop le vice avec les histoires de téléportes de Teloche. Ça risquerait d'être. Ça risquerait de faire mal au crâne, quoi. Voilà autre chose. Ça rebondit, c'est pas un problème. Donc maintenant j'ai une remote. Bien, bien, bien. Des télés, c'est pas ce qui va manquer apparemment. Quel intérêt d'y éteindre? Je ne sais pas. Pouvoir monter dessus sans être perturbé. Non. Sauter en face, j'y crois moyen. Bon, on va le faire, mais... Oui, tout le monde a compris, là, il n'y a pas besoin de... Elle grince, hein, cette manette. Oui, monsieur Microsoft. Oui, j'attends toujours, hein. Comment ça, vous n'en offrez pas en dessous de 10 millions de viewers? Ah, c'est dommage. Je suis obligé de passer sur une autre marque. Oui, 14 années, là, cette manette. Elle peut couiner, la pauvre. Oh, de la Zipline, comme on aime. Bien à toi, Cartman. Ah.
Ça sent la personne pas trop commode, ça. C'est pas une super bonne idée, mais bon. Parce que si je passe discretos, il y a un moment, elle va me calculer. Puis alors, elle va être discrétion et moi là. C'est mieux. Il y a des gens, des fois, faut leur laisser leur télé allumée, ils aiment bien. Pourquoi aller dans un four? Vous voulez pas savoir. Pourquoi ouvrir le frigo? Bah, pas tant qu'à être là. Hein. J'aurais le droit de monter tout là-haut. Ah, ça, c'est une bonne question. On le saura pas tant qu'on saura pas ce qu'il y a à droite non plus. On va aller voir. Je pense que c'est un cul-de-sac pour qu'il me propose d'avoir autant de trucs sur lesquels interagir dans cette salle. Exactement. Et donc, il faudrait que j'arrive à passer par la fenêtre. Pour passer par la fenêtre, il faut que je passe là-haut. Pour passer là-haut, il faut que je fasse tomber ces boîtes. Pour faire tomber ces boîtes. C'est un ordre de merde. On va bien voir. Non, je pourrais sauter juste sur la porte devant. Ah! Il y a des bouts d'idées, mais bon, je suis au niveau de la fenêtre, donc ça va. On va pas se plaindre, ça pourrait être pire. Ah zut, la fenêtre est fermée. D'accord, on a le bout d'idée. J'ai allumé ce téléviseur, donc ça veut dire qu'avec le téléviseur de l'autre côté, je peux passer... Mais pour passer, il va falloir que mamie, je l'énerve un peu. J'espère que j'aurai le temps. Alors mamie, on fait moins la maline. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus simple quand j'ai pas mon binôme. Ouais. C'est pas faux. Oh là 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 là. Alors, faut que j'aille mettre la télé à droite, ça, c'est évident. Comment je monte sur cette télé? Avec ce gentil monsieur que quoi? Donc si j'éteins celle-là, il regardera celle en face. Si on est logique.
d'avoir la télé en face. Maintenant, vous le savez, les enfants, c'est prouvé. La télé tue. Oui, j'ai failli oublier de me raccrocher. C'est de mieux en mieux l'architecture ici, dis donc. Bon, les baignoires, j'y vais plus. Ça m'a porté que des malheurs. Vas-y monsieur, saute. Non mais vas-y. N'attends pas. Je crois que les développeurs ont quelque chose contre les téléviseurs. C'est assez drôle. Le grand émetteur. Oh, un petit cigare, un petit whisky, un bon canapé et une téloche. Vous y croyez les gars? Non, j'ai arrêté de boire, c'est bon. Il y a un passage là. Oui, j'ai sûrement bien fait d'allumer cette télé parce que, because. Because. Because ça va être tendu, mais on va le faire quand même. Bah, on est là pour ça. Oui, vous avez saisi la manip, je présume. Ça va être un peu tendu, je crois. Ça glisse. Ne touche pas à la manette. Quelle manette? Ne touche pas à la manette. Quelle manette? Celle-là? Non, mais j'y toucherai jamais. Ah! Tu vois, petit bonhomme, quand tu écoutes pas la voix off qui te dit touche pas à la manette, tu vois ce qui se passe? Bon. Maintenant ça va peut-être servir. Quand la porte va céder et ouvrir à une créature qu'on n'a pas trop envie de savoir qui que quoi. C'est pas très malin de l'aider, je pense. Je sais pas si vous avez vu, c'est un double shot qui s'est passé. Le temps que l'électricité agisse, ça m'a shooté moi aussi. Enfin, le gars a eu le temps de me shooter. Et surtout, tu n'oublies pas de désactiver le courant. Ça pourrait être désagréable. Au revoir, monsieur. Eh oui, non, je suis pas désolé, là. C'était pas sympa, ce que vous vouliez faire. Y a pas un petit passage, là? C'est marrant. Qu'est-ce qui va m'arriver encore?
Les planches piégées. Je sais pas si j'y fais attention encore. On va attendre de pouvoir se mettre dans un recoin pour... C'est foutu l'ascenseur, les gars, là. Ouais, c'est foutu, clairement. Ça attire quelqu'un, ça? Non, c'est juste... un rapatriement au cas où. Ouf. Oh, c'est dégueulasse, ici. Alors, j'ai un bout d'ascenseur et une téloche. Faudrait que je remonte. Ouh là là, ça va être compliqué là. Et ça, c'est quoi? Avec un œil. Je sais pas si j'ai super envie d'y ouvrir. Pour l'instant, contre toute apparence, ça ne s'ouvre pas. Au cas où. Je pense que ça va être beaucoup plus complexe que ça, parce que vous avez vu qu'il y a un entresol, hein, il y a un niveau intermédiaire. Donc ça veut dire... Je présume que ma sortie est sur le niveau intermédiaire. Heureusement que c'est tout mou, ces trucs. Et pour le coup... Alors je pourrais sauter là, mais c'est complètement stupide, puisqu'on sait très bien qu'en dessous, il y a le vide, le néant absolu. Et la mort. Mais ouais, l'idée c'est ça. On va faire une répète. L'ascenseur est supposé revenir avec le téléviseur. L'idée, c'est que quand il est revenu, je réactionne la manette pour lui donner l'ordre de monter. Je vais vite dedans, je me téléporte, et de tout en haut, je saute puisque l'ascenseur est en train de monter, et j'aurai une chance d'accéder au second niveau. Vous saisissez le truc? Ouais. Tordu? C'est fait pour. Non, 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 non. Là, tu lâches. Là, tu pousses. Là, tu reviens vite. Zamat, tu sautes, t'as confiance. Ah, je l'ai raté, le trahu. Vous l'avez bien vu. Ils ont même prévu un... au-dessus auquel je me coince. Bon, on a la manip, mais c'est juste que j'ai pas le bon timing. Non! Putain, mais c'est pas possible, les gars!
Bon, on va s'y prendre autrement, parce que. Il faut que je sois sur le toit de cet ascenseur, ça c'est clair. Ça marche pas la montée de l'ascenseur, ça marcherait à la descente. C'est complètement débile et illogique. Puisqu'on a bien vu que j'avais largement le temps de passer, quoi, quand. On va essayer la descente. Je suis plus à une débilité près dans ce jeu. Et si c'est vraiment ça, je vais être un peu furieux. Oui, donc là je reste devant. Parce que oui, quand je suis en haut. J'arrive bien dans cette téloche. Donc rien ne m'empêche d'activer l'ascenseur, de faire ce que je viens de faire, et de vite sauter dessus. Yata! Oh, puis je pouvais même sauter là de toute manière, anyway. Oh! 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 Espèce de crétin de jeu. Je vais me venger sur ce lapin mécanique. Oui, on a toujours besoin d'un petit lapin mécanique. Je me méfie. Il y a une histoire là avec les jouets, je pense. Des trucs. Ah, ce passage m'a particulièrement irrité. Oula. ça veut dire non. Est-ce une baignoire dans laquelle j'ai encore resté coincé? On va pas tarder à avoir la réponse. Il y a des jumps, j'ai pas intérêt à les rater, je crois. Alors, vu que c'est une baignoire dans laquelle j'ai resté coincé, ça me semble évident. On va faire le jump en avant, là. Ce sera beaucoup plus simple. Taquer sur sa téloche, mamie. Alors, il faut que j'énerve mamie un peu. Mais pas trop. Juste le temps qu'elle voilà, qu'elle soit vénère. D'avoir la télé mémé. Elle m'a aspiré. Bon, ça ne marche pas. Est-ce que je peux faire le trajet inverse? Non, c'est pas trop possible. Je peux pas sauter sur la baignoire. Quoi que ça se tente, hein. Mais elle va rester sur la surface sèche. Non, ça a ni queue ni tête ce que je dis. Je réfléchirai mieux comme ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? La baignoire. Mais si ça va être n'importe quoi. Hein. Moi je veux bien, mais. Je fais quoi dans ma baignoire, moi? J'ai réussi à lui éteindre la téloche. Alors, c'était sérieusement fourbe. Parce que, honnêtement, rien ne m'indiquait que je pouvais éteindre la télévision depuis l'autre côté, quoi. Oh, ce passage tiré par les cheveux au possible. Je vous ferai pas l'honneur de vous dire combien de fois j'ai fait des essais, mais j'ai essayé toutes les solutions, toutes les variables possibles pour passer. C'était exaspérant là.
Ça sent la poursuite de zombies, ça, non pas loin. On sait même pas que ça le sent, c'est que... On s'amuse? Oui, je leur éteins la téloge tout de suite, ce sera fait. Oui, le caddie, je l'ai bien repéré. Et j'aurais juste à m'accrocher, nickel. On y va. Ouah ouah. Allez! Bon. Si ça marche pas d'une manière, ça marche d'une autre. Oui, le courant reste quand même si j'éteins cette télé, donc il n'y a aucun intérêt. C'est trop... Oui, je peux monter là, mais je voulais ramener la balle. Si je suis Monsieur Salcon, oui, tout à fait. On y go. What? Oh. Le pire étant que j'ai pas vu d'issue. Hein. Donc je vais de ce côté, mais je sais pas trop pourquoi. Et franchement, je crois pas que ce soit une bonne idée d'avoir troqué ma lampe de poche contre une télécommande. Action ralentie. Alors, si je dois aller tout là-bas, qu'est-ce que je dois faire, franchement? Vous saisissez? Ouais. Bah je vois que ça. Après on verra bien où nous emmène cette télé. Et je retourne à rallumer le jus.
Très bien. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça pourrait être pire. Maintenant, il faut que je sois bien sur le même plan. Sinon, ça pourrait être vraiment triste. Ouf, 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 ouf. Est-ce que je saute direct sur la télé ou sur mon placard en face en m'accrochant au poignet? Moi, je jouerais bien la télé. Hein. On va faire ça. Pas mécontent que ça ait fonctionné celui-là. Oula. C'est vraiment The Walking Dead. Ça, c'est moi. Et vous vous demandez sûrement ce que j'ai fait pour en arriver là. Alors, comme on le voit, j'ai le problème suivant. Moi, j'aimerais bien aller là-bas, tout à droite, là-bas. Mais c'est fermé. Et là, j'ai un remake de The Walking Dead, version télé. Et il faudrait que je trouve un moyen de d'arriver à rentrer là-bas dedans. Ce serait bien. Elle est presque passée, lui. Je vous attends pas. Alors, je vous ai des trucs à faire. Ah, regardez la télé. Ah, je suis où? Je sais pas où je vais. Je suis caché. On peut pas me trouver. Je suis invisible. Bon, je suis pas certain que faire le S que je suis en train de faire, ça m'accorde le temps nécessaire pour. La manip de ouf. Heureusement qu'il était là, je crois qu'il t'aimait un peu. Non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. On s'entendra pas. J'aime pas trop la télé, moi, je l'ai déjà dit. C'est pas mon trip. Je suis plus web, tu vois, les trucs de zéro comme ça. Ah! Ils sont totalement fêlés du petit écran, ces gens. Heureusement qu'on n'a pas d'écran sur les ordinateurs, sur les smartphones, et pour les consoles. Comment ça, à chaque fois que je demande, ça me fait faire un... Non, pas du tout.